Bien le bonjour, cher auditoire, c'est Guillaume Couture pour le compte de l'Alliance française d'Halifax et de Moncton. Je continue euh, mes échanges avec de la belle jeunesse inspirante. J'ai avec moi présentement Émilie Amadvand de l'Université Mount Allison à Sackville. Allô, Émilie. Allô, merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir. Tu es récipiendaire, Émilie, du prix du consulat des Alliances françaises. Tu arrives d'un séjour à Saint-Pierre et Miquelon. Euh, première des choses, on veut euh, en savoir plus sur ta personne. Est-ce qu'on peut savoir où tu es né et où tu as grandi, Émilie Amadvand? Oui, donc je suis née à Halifax et uh, après, oui, j'ai uh, grandi à Halifax aussi, uh, mais maintenant j'habite uh, au Nouveau-Brunswick, à Sackville. Et tu étudies à l'Université Mount Allison dans quel programme exactement? Oui, uh, en fait, je viens de terminer mes études là, uh, donc uh, j'ai fait le la baccalauréat uh, dans les langues modernes. Et euh, oui, j'ai étudié euh, le français, l'allemand et le japonais. Tranquille. <laughs> et euh, avec quel projet, avec euh, quelle œuvre tu as remporté euh, le prix euh, du consulat des Alliances françaises, Émilie? Euh, donc j'ai écrit une rédaction et um, c'était l'importance de la langue française dans ma vie. Et donc j'ai écrit un petit uh, essai uh, essay à moi quand j'étais petite. Donc j'ai écrit comme uh, l'importance du français dans ma vie aujourd'hui et uh, uh, comment j'espère que j'apprécie la langue et que je continue avec la langue. Uh, des trucs comme, comme ça. Et avec tout ce savoir-là, euh, quelle est ta carrière idéale, Émilie Je ne sais pas si j'ai une carrière idéale, mais je pense que j'aimerais travailler avec les langues. Um, j'aimerais aime, travailler à une université, donc je pense que le français, ça, ça va m'aider s'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais comme leur langue uh, primaire. Oui. Uh, donc, je pense que oui, ou peut-être avec des... Uh, uh, dans do la domaine d'immigration aussi, je pense que j'aimerais faire quelque chose comme ça. Tu arrives, euh, tout comme tes euh, comparses, d'un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un endroit assez unique, qui est assez singulier. Je ne te cacherai pas que je suis un peu jaloux. J'ai bien hâte de visiter <laughs> ça aussi à mon tour. Um, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, Émilie? Um, mais beaucoup. <laughs> uh, oui, nous avons eu plusieurs belles expériences. Um, uh, nous sommes allés sur, uh, à Saint-Pierre et Miquelon et Langlade et on a vu plusieurs choses là et uh, on a appris beaucoup au sujet de la langue. Um, nous avons suivi des cours en français et là, on a appris um, des Chose peut-être qu'on apprend toujours dans une salle de classe traditionnelle, donc par exemple des, des gestes ou des expressions idiomatiques, um, des trucs comme ça. Donc je pense que um, des cours et oui, les, les voy le voyage, les, les expériences et um, pour moi um, peut-être. Le, la chose la plus importante, c'était de rester avec une famille française qui euh, m'a donné une expérience vraiment authentique. Et oui, je pense que j'ai bien saisi la, la vie et la culture française avec cette famille-là. C'est une réponse qui me satisfait pleinement. <laughs> euh, tu étudies, Émilie, à l'Université Mount Allison. En fait, tu as, tu as terminé ou tu poursuis? Oui, j'ai terminé mes études. Bien joué. Belle étape de franchie. <laughs> euh, Quelqu'un qui voudrait aller étudier à l'université Mount Allison, comment tu lui présenterais l'établissement? Comment tu lui vendrais l'endroit pour euh, qu'elle vienne euh, s'y établir? Vraiment, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire au sujet de Mount Allison. <laughs> On a tout notre temps. <laughs> um... Moi, je trouvais que j'avais besoin d'une expérience um, avec une communauté qui était assez proche et qui était peut-être plus petite. Et donc, c'est grâce à la, la grandeur de l'université que j'avais pu um, créer de, de bonnes relations avec uh, la communauté, les professeurs uh, et d'autres étudiants aussi. Donc, uh, je pense que. La, la taille de l'université, c'est vraiment un grand avantage. Uh, de plus, uh, le, le département des uh, langues modernes, c'est vraiment des meilleurs profs à monter. Uh, et c'est vraiment grâce à eux que j'étais capable de terminer mes études pendant la pandémie et aussi de venir à. Uh, euh, D'aller à, à Saint-Pierre et euh, de gagner le, le prix d'Alliance française, c'est vraiment grâce à eux et de, de la façon qu'ils m'ont aidé. Donc, oui, je suis vraiment euh, reconnaissante d'eux de et de l'université. Peux-tu nous rappeler les plusieurs langues que tu maîtrises, Émilie? Oui, donc le français euh, depuis le septième année. Euh, et ensuite, j'ai appris un peu d'allemand et un peu de japonais aussi. Si je peux me permettre la question, est-ce que ce sont des langues qui t'ont attiré parce qu'elles étaient parlées dans ta famille? Le japonais, bien sûr. <laughs> Ma mère est japonaise, donc. Euh... Oui, en fait, quand j'étais petite, elle, elle voulait que je suive des cours euh, de japonais. Et moi, j'étais petite et je, ça m'était égal. Mais maintenant, je, je me souhaite que j'avais suivi ces cours. Et oui, donc je le fais maintenant. Donc oui. <laughs> Excellent. Est-ce que... Ben, en fait, j'aimerais te demander euh, un exercice simple pour euh, notre auditoire. Ça serait de euh, nous partager une phrase simple en français et de pouvoir nous la répéter autant en japonais qu'en allemand. Est-ce que tu voudrais te prêter au jeu, Émilie? <laughs> OK, oui! Je <laughs> ne sais pas si je peux le faire, mais je pas assez <laughs> Absolument! Moi, je suis très confiant là-dessus! <laughs> Entendons-nous pour quelque chose de simple, tel euh, Bonjour, je m'appelle Émilie ». Donc, oui, en français, bonjour, je m'appelle Émilie ». En allemand, Hallo, euh, euh, ich heisse Emily, Emily. Et en japonais, ça serait Konnichiwa, Emily Des. Bien! <laughs> Merci! Émilie euh, Ahmad, Ahmad Vand, étudiante, en fait, étudiante bachelière diplômée de l'université Mount Allison, merci beaucoup pour le temps accordé pour cette entrevue pour le compte des Alliances françaises. Émilie, tu es récipiendaire du prix du consulat et je te souhaite tout le succès du monde pour la suite des choses. Et encore une fois, ben, c'est très inspirant pour moi, ainsi que les différents auditoires, d'entendre de, de la belle jeunesse comme ça. Donc, merci beaucoup et euh, bon succès. Merci à vous.